Oh! Bienvenue pour une nouvelle critique. Encore une vidéo sur les émeutes. Ce qui se passe en ce moment, c'est très, 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 très grave. Des gens ont leur vie gâchée aujourd'hui à cause des casseurs et des casseuses. Oui, j'ai dit des casseurs, parce que souvent on a l'image d'un jeune garçon de banlieue. Mais ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément le cas. Là, petit rappel, ceux qui les émeutent, ce ne sont pas forcément des proches de la victime ou de la famille. Pas forcément. C'est des petits groupes qui ont l'habitude de faire ça. À chaque fois. S'il y a un problème, ils font ça pendant les manifs, contre la retraite. Ils ont fait ça, si on fait des manifs contre telle ou telle chose, ils y vont. Ils se renseignent. Tiens, il y a une manif. Allez, on y va. Et c'est là qu'ils cassent. Mais à ce point-là, des écoles. Sur la nationale 20, des, des voitures ont brûlé. On devait rouler au pas. On devait également faire la fête à l'école. Pas à l'extérieur, à l'école, je parle. Ça a été annulé. On fera quand même la fête, mais sans les parents. Le lendemain, il y a un mariage de ma meilleure amie. On a été obligé de raccourcir. Pourquoi Parce que pour la sécurité des invités de tout le monde. Parce que des personnes ont décidé de tout casser. Ce sont des imbéciles, les casseurs. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis en colère contre eux, bien sûr c'est un drame que ce jeune de 17 ans s'est fait tuer, assassiner même. Mais je crois que le policier va être condamné, enfin je l'espère en tout cas, il devrait être condamné à de la prison ferme et perdre son boulot. Il peut plus être flic. C'est pas possible. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut faire qu'il faut embêter les autres. Ceux qui avaient économisé toute leur vie pour avoir une voiture et qu'ils la voient brûler comme ça. Ou les étudiantes, les étudiants qui vont pour euh, bah, étudier, hein. ils descendent, plus de voiture. Et ils n'ont rien fait. Ce n'est pas, pas de la famille du gendarme, ce n'est pas une gendarme, non, rien du tout. C'est juste quelqu'un qui avait mis sa voiture là parce que c'était sa place, son parking, son stationnement. Plus des choses annulées, comme le mariage de mon ami, comme. Enfin. Euh, Ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est vrai que depuis que Macron est là, ça n'arrête pas. Alors je n'écoute pas le ministre de l'Intérieur, qui a quand même derrière lui, enfin sur son dos, des plaintes d'agression de, sexuelle, il hein, ne faut pas l'oublier. Certaines personnes pensent comme Premier ministre, euh, Premier ministre des, des agresseurs. Hein. Lui, je l'écoute pas trop. Alors, quand ça va s'arrêter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est bientôt les vacances. Ils vont peut-être prendre des vacances, je ne sais pas. Mais il faut se calmer là. Parce que même les boutiques, hein, les boutiques, ils n'ont rien à voir avec les policiers. Rien. Non Il y a des personnes qui ont... Acheter une boutique pour faire marcher leur truc. Et là, pouf! Plus rien, parti en fumée. Des écoles aussi. J'ai vu, il y avait une école. J'ai vu aussi tout le monde sauter de joie quand une voiture a foncé dans un magasin. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces abrutis? J'ai pas dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Faut se réveiller, hein. gâcher la vie de je ne sais combien de personnes pourquoi quel est le résultat vous croyez que tous les flics vont aller en prison parce que vous avez brûlé des voitures, euh, cassé des magasins, euh, gâché la vie de beaucoup de personnes? Non. Non. Bon. Kenner Vachal Grobec et à très bientôt pour une prochaine critique qui, j'espère, sera plus beau, joyeuse et je suis pas sûr.